Coucou et bienvenue sur Chain Scrap. Voilà, je reviens vers vous pour vous faire un petit haul Emmaüs. Car hier, je suis allée faire un petit tour à Emmaüs avant d'aller travailler et j'ai fait des belles trouvailles. Donc, je voulais vous les montrer. Alors, déjà, j'ai trouvé ça. Alors, je vous dis pas que j'ai sauté dessus. Alors, c'est une paire de rideaux comme ceci avec les tringles. Quoi demander de plus? Regardez un peu. Donc, bah, j'en ai pour mettre à une fenêtre. Voilà. Je les ai pris parce que je les ai trouvés super jolis. Et regardez-moi ça déjà le haut. Tout en dentelle. Comme ceci. Et comme ceci. Jusqu'au bout. Et regardez la finition. Alors j'étais trop contente et j'étais encore plus contente quand j'ai vu ceci. Voilà. Donc je les ai pris direct. Déjà une belle trouvaille pour ces petits rideaux. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais les prendre parce que ben, je les verrai bien dans ma pièce après plus tard. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc après, bah, je vais les laver, etc. Voilà. Je vais les bichonner. Et je vais les ranger. Voilà, déjà pour ma première trouvaille. Deuxième trouvaille. J'ai trouvé du tissu pour faire les poupées, les transferts. Ouh, les poupées. Alors là, super. Regardez-moi ça. Super bien. Et alors là, j'étais trop contente parce que vous avez vu ce qu'il y a. C'était pas mal. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'en ai pris des autres. Oups. Alors, que je vous montre. J'ai pris celui-ci. Pareil. Parce qu'avec mes transferts en ce moment, je suis à fond dans les transferts. Et avec les transferts, eh ben, ça mange beaucoup de tissu. Alors du coup, hop, ce que je fais, comme ils en ont plein chez. Excusez-moi. Chez Emmaüs. Du coup, eh ben voilà. J'en ai pris. Excusez-moi. Oh. B. Voilà. J'espère que c'est pas reparti, le rhume, parce que alors là. Et j'ai pris celui-ci pour faire les corps de poupée. J'ai tombé là-dessus, ben je l'ai pris. Je pense que je pourrais le faire avec, je sais pas. Regardez ça. Donc on verra bien. Voilà. Donc j'ai pris tout ça. Ensuite, j'ai retrouvé ceci. Du coup, vous vous rappelez, je l'avais pris la dernière fois. D'ailleurs, je l'ai là. Et ben du coup, j'en ai retrouvé. Et ben, pareil, je l'ai repris. Voilà, parce que pour le coup, le tout là que je vous montre, j'en ai eu pour 10 euros. Mais vous allez voir pour 10 euros ce que j'ai. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé un petit napperon comme ça. Ben, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé mignon. Regardez. Ouais, il y en avait plein, mais bon, moi, j'avais pas le temps. Comme je partais travailler, j'ai trouvé super joli avec les petites fleurs qui remontent comme ça. Voilà, je me suis dit, puis il a une belle couleur, j'aime bien. Je me suis trouvé ceci pour faire les têtes de cheveux de poupée Tilda. Je pense qu'avec ça ira super bien. Voilà. Ça, je l'ai pris. Même elle l'a pas compté. C'est un bout, mais je l'ai pris parce que quand on récupère des bouts, et ben elle donne. Et du coup, et ben moi j'ai récupéré pour récupérer la petite dentelle qui est là. Et oui. Ensuite, j'ai pris comme les transferts et le crochet. Je suis en plein dedans. Alors attendez. Je suis retombée sur ça. Des petits trucs comme ça. Là.
Du coup, j'en ai repris. Voilà. J'ai pris celle-ci. L'autre comme ça. En plus, il est bien fin. Ça va faire super joli. J'en ai pris une un petit peu plus foncée. Pareil. Il est très 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 fin. Voilà. L'autre, il est encore plus fin. J'ai pris cette petite bobine-là. Ça fait une petite bobine de fil comme ça. Enfin, on peut peut-être crocheter avec, mais ça va être très 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 fin pour moi. Je l'ai pris, moi, c'était pour coudre. Parce que c'est très fin et c'est du DMC. Et là, je suis tombée sur deux petites merveilles. Ah oui, j'ai pris ça. Alors, j'ai pris ceci qui avait. Je l'ai pris, ça peut toujours servir. En plus, c'est super parce que c'est vachement ancien. Voilà. J'ai trouvé ça. Une petite machine, vous savez, cool. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ça serait peut-être pas mal. Alors, faut que je pense que ça marche à pile. Donc, il y a tout. Hop. Elle est vraiment toute neuve. Donc, ici, vous mettez des piles. Et puis, hop. C'est hop. Roule ma poule, on va dire. Voilà, voilà. Donc, ça, bah, j'étais contente. Je suis sautée dessus. Alors, j'ai voulu sauter sur une machine à coudre. Mais je me suis quand même méfiée. Parce que bah, je sais pas trop. Alors, je verrai. Je me suis tâtée. Bon. Une belle petite machine à coudre et je pense que c'était une surfileuse, donc je vais voir si je peux y retourner samedi. En plus, elle la faisait pas cher du tout, elle la faisait qu'à 5 €. J'aurais su, je l'aurais pris, mais bon, on verra bien. Donc voilà, et j'ai trouvé quelque chose que j'ai sauté dessus parce que dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus pour décorer ma petite pièce plus tard. Regardez ça, un petit fer en porcelaine. En plus, c'est marqué décoré à la main. Alors, trop bien. Il est trop beau. J'ai sauté dessus parce que j'ai bien aimé. Un petit fer à repasser comme ça. Puis, je me suis dit, pourquoi pas y mettre un petit peu de dentelle autour, là, le customiser un petit peu. Et en plus, hop, c'est un petit pot. Eh oui, un petit pot en plus. Voilà mes petites abonnées. Alors, vous voyez, mes petites trouvailles. De chez Emmaüs et tout ça pour 10 €. Je pense que c'est raisonnable quand même, hein, parce qu'avec ça, déjà ça vous le rembourse, parce que quand vous voyez les pubs sur les téléachats, c'est beaucoup plus cher. C'est, je sais plus d'ailleurs, c'est pas donné ces petits machins là. On me suis dit, allez, puis mes petits rideaux, mes petits napperons, ma petite dentelle, et puis en fait j'y allais, c'était pour faire mes transferts, pour trouver du tissu, et puis en plus j'ai retrouvé ceci. Alors la belle aubaine, et ben je l'ai pris. Voilà, voilà, puis ça, j'ai trouvé ça chou, du coup hop, je l'ai pris aussi. Voilà, voilà mes petites abonnées pour mes petits achats Emmaüs, mon petit haul. Voilà, moi je vous dis qu'une chose, allez-y, parce qu'il y a pas mal de petites trouvailles qu'on peut trouver pour le scrap et qui est super bien. Voilà, voilà. Et merci encore à Nathalie G, car sans Nathalie G, j'aurais jamais été aux Emmaüs. Enfin si, j'allais des fois, mais c'était très rare, peut-être une fois tous les 3 ans, je sais pas. Et du coup, et ben maintenant, dès que je peux y aller, ben j'y vais. Voilà, voilà, voilà. Donc je voulais vous faire partager mes petites trouvailles de chez Emmaüs. Sur ce, mes petites abonnées, je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chanel Scrap. Bisous, bisous.